Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Lorsque tu te lèves le matin, à quoi penses-tu? Est-ce que tu te dis, voici, cette journée est ma journée et j'espère que les gens feront pour moi ce qu'ils doivent faire? Ou plutôt, tu te dis, cette journée est ma journée, je pense que je vais mener une vie qui va bénir quelqu'un, qui va impacter une vie, je vais changer la vie de quelqu'un. En tant que femme, nous avons énormément de potentialités et de capacités qui peuvent devenir des sources de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Notre héroïne de Proverbe 31, par ses actions, bénissait et la vie de son mari, et la vie de ses enfants, et la vie de ses servantes, et même la vie des indigents qui étaient dans son environnement. Toi aussi, tu peux devenir une source de bénédiction. Alors, mets tes potentiels, tes capacités, tes compétences et même tes ressources au service des personnes qui t'entourent. Et tu verras que la vie n'en sera que plus belle. Sois une source de bénédiction et tu seras plus heureuse, car la parole de Dieu dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Décide que cette journée, tu vas mener une vie qui bénisse quelqu'un.